parler des oiseaux. Hop, il est parti. Ah ouais, ils ont bien bouffé la boule de glace, lui. Hein. Je chiale. Le café est prêt. Les petits moineaux, ils ont chié, ils en ont foutu partout. Même dans mon bac, là, il y a plein de graines et de boules de graisse. Mais bon, je suis contente. Regardez ça. Putain, je suis trop contente. Il y en a une autre aussi, là, mais voilà, en forme de cœur. Mais voilà, en tout cas, je suis super contente. Sauf qu'il y a des feuilles qui sont un peu jaunies. Je sais pas trop pourquoi. Peut-être parce que quand je suis partie chez mon père, bah, ils ont pris un coup de chaud. Trop bien. Et là, le basilic pousse bien. L'origan, c'est pareil. Le thym, c'est pareil. Et le basilic, voilà. Non, chicotate. Ouais, ils sont bien défoulés, là. Attendez, je vais inverser. Comme ça. Voilà. Oh, putain, elle est pas belle la vie. On n'est pas bien ici. Bonjour tout le monde. Oh là là, la gueule éclatate. Du coup, je vais aller me laver là. Je vais faire un masque aussi, comme ça sera fait. En fait, il n'y a que des tasses à café dans mon lave-vaisselle. Il n'y a aucune assiette, il n'y a rien du tout. Je chiale. Je voulais me faire des pastèques ce matin, mais elles ont un peu une sale gueule. Alors elles m'ont dit, Elisa, non. Et comme en fait, je suis partie chez mon père, je les avais déjà découpées. En gros, elles sont restées 5 jours comme ça. On ne pas trop avoir la chiasse. Vous pouvez le voir, j'ai reçu pas mal de My Muesli et je suis trop contente parce que j'ai reçu un produit Pepitas Pepitos. Je vous l'ai montré sur Instagram, je crois. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte Instagram. C'est ElisaBRTOff. On est bientôt 6000, je crois, sur mon Insta. Donc ouais, donnez-moi de la force là, sur Insta, les gars, parce que j'en ai besoin. J'ai la peau dans un état. Voilà, ça va mieux. Hein. Mais quand j'étais chez mon père, je sais pas ce qui s'est passé, mais waouh, c'était plus possible. Hein. Peeling, masque, gommant aux minéraux. Allez, on va faire ça. Et une mouche. Putain de merde, j'en peux plus des mouches, des petits pucerons, des conneries comme ça. Prince, fais ton travail! Prince, il bouffe les mouches, j'adore. Genre, il court partout, genre, ouais! Enfin, un jouet qui bouge! Oulala. Voilà, c'est vraiment le bordel dans l'appart, là. Oh, j'ai une dégaine! Du coup, on va s'attacher les cheveux. Je n'ai pas de chouchou. Tout va bien. Je ressemble à une cacahuète. Incroyable. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas pris en vlog pour moi. Même si là, je suis en train de faire un monthly vlog. En fait, je suis en train de filmer en ce moment plein de petits moments de mon mois. Comme ça, en fait, au début, c'était vraiment que comme ça. Et après, il y a une mouche. J'en peux plus. Et après, en fait, bah, pourquoi pas faire un monthly vlog. Attendez, je vous bouge. Parce que je dois prendre... On est bien comme ça aussi. Je dois prendre mon petit pad. C'est vachement bien, c'est... Mais t'es con ou t'es con? Mais va dehors! J'aime bien ce petit pad parce qu'au moins c'est déjà tout prêt et tout. Et c'est aussi KBHA. Et c'est plutôt pas mal. Enfin, ça me nettoie bien la peau, ça me rafraîchit. Ouais, voilà. Donc bref, je disais que je faisais un monthly vlog. Là, j'ai filmé un peu n'importe quoi. Et je me suis dit, bah... Pourquoi pas faire un monthly vlog vu que ça va faire quasiment un mois que je filme. Enfin, j'ai commencé au mois de mai et on est mi-juin là, fin juin. Fin juin déjà, on est le 21. C'est l'été non? Non, je confonds peut-être. C'est pas la fête de la musique? Je sais plus. Bref, on est le 21 juin. J'ai des petites choses à vous montrer. On va faire 2-3 petites choses dans l'appartement. Je devais aussi filmer une vidéo. Je me suis fait un planning de vidéo en fait. Qui est affiché dans mon bureau, que je ne respecte absolument pas. Je sais pas pourquoi je l'ai fait. Je voulais filmer une vidéo aujourd'hui concernant mes notes de partiel, parce que je les ai reçues. Et j'étais très étonnée. Je pense que tout le monde en fait était étonné. Moi la première, j'ai cru que c'était un bug. Donc je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé, les notes que j'ai eues, etc. Et on va bien rigoler je pense. Donc je sais pas si je vous la filme aujourd'hui. Bon, je fais mon petit masque, je vous retrouve après la douche. Je vais essayer de ranger un petit peu l'appartement quand même, un minimum. A tout de suite. Oh, on dirait le Père Noël.
A few moments later. Bon, ça y est, je reviens de la douche, je me suis maquillée, bad bitch. Faut que je fasse des photos pour Undies. J'ai reçu un petit ensemble et tout. Et comme demain c'est les soldes, je vais faire un petit post sur Instagram aujourd'hui si j'ai le temps, ou sinon ce sera demain. J'avais fait des tests hier en photo, mais c'était pas ouf au niveau de la luminosité vu que c'était à 20h que j'ai fait ça. Donc on va essayer de faire une belle photo avec des cheveux trempés, ça peut faire joli. Ensuite faut que je vous montre mes petits achats que j'ai fait hier à Primark, à Action aussi j'ai fait des petits achats, je vais vous montrer ça. Et puis après il y a 2-3 petites choses à faire dans l'appartement. Bon, je viens de faire mes photos, de les retoucher et de les poster sur Instagram, donc n'hésitez pas à les voir. J'ai fait une photo de dos, d'habitude je fais toujours une photo de face, je vous mettrai peut-être un exemple de photo que je fais de face, vraiment très très simple, genre juste pour présenter le produit, la lingerie, etc. Sans forcément moi me mettre en valeur, enfin voilà. Mais je sais pas, en fait, à un moment donné, j'étais de dos et la photo s'est prise sans faire exprès, enfin au mauvais moment. Et en fait, j'ai trouvé ça joli de dos. Donc bah, j'ai continué de faire des photos de dos et je trouvais ça très 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 joli, le rendu est très très beau. Enfin je trouve en tout cas. Enfin c'est pas vulgaire, c'est ce que généralement les photos comme ça, on voit les fesses et tout, je trouve ça assez vulgaire. Mais là je l'ai pas, enfin j'ai pas trouvé ça vulgaire, c'est pour ça que je l'ai posté du coup. Mais voilà, je suis très contente du résultat, n'hésitez pas à aller voir. On me demande souvent si j'ai des remarques assez déplacées, etc. Quand je fais des photos en lingerie, etc. J'en ai aucune. Heureusement, j'ai envie de vous dire pourquoi j'aurais des remarques, je fais ce que je veux avec mon corps. Je suis modèle photo, je suis modèle lingerie, donc je fais ce que je veux aussi avec mon corps, enfin voilà. Pourquoi on aurait des remarques? Nous les femmes, on a le droit de poster ce qu'on veut. Du coup, je vais vous présenter donc la lingerie que j'ai utilisée. Donc c'est une lingerie qui vient de chez Undies. C'est un soutien-gorge comme ça en fait, qui est assez... qui a une forme balcon, je sais pas si ça se dit. Mais en gros ça permet de mettre, de remonter vos seins et d'avoir un joli décolleté. Et moi j'aimais bien la couleur en fait, je la trouvais assez jolie. Et c'est à moins 40%, enfin je pense que ça va être à moins 50 là d'ici vous allez voir la vidéo. Et la culotte est simple, enfin elle est basique, je la trouvais très jolie. Enfin la couleur je trouvais ça assez sympa. Je crois que le tout ça m'a coûté 12€ en tout, enfin avec la culotte et le soutien-gorge, donc vraiment pas très très cher. Et j'avais fait aussi une autre commande avec d'autres produits, mais c'est beaucoup trop grand pour moi, j'avais pris du B. Alors que chez Undies, bah, faut que je prenne du A. Et j'ai pris aussi une culotte qui est vraiment belle. Pour ceux qui aiment bien tout ce qui est lacets, etc. Il y a le soutien-gorge qui va avec, mais le soutien-gorge est trop grand pour moi, donc je verrai s'il y a la taille en dessous. Mais généralement, si je prends du B, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la taille en dessous sur internet. Donc en fait, c'est la culotte. Alors, ça, c'est le dos. Le derrière, vous avez un petit truc comme ça. Là, je trouvais ça assez joli. Et en fait, vous avez des lanières qui se reposent sur vos hanches. Donc c'est vraiment super joli, ça met vraiment bien en valeur, enfin là vous voyez rien, mais ça met bien en valeur la forme des hanches d'une femme et je trouve ça super joli. Pour moi c'est hyper important de la lingerie, alors moi je mets pas ça au quotidien, genre là mes sous-vêtements actuels c'est pas des trucs comme ça. Moi c'est que des sous-vêtements pour poser ou pour faire l'amour etc, mais c'est pas du tout des sous-vêtements que je mets au quotidien. Il y en a qui le font, moi ça me dérange fortement. Pour moi c'est hyper important de la lingerie, ça permet de se sentir bien. Moi je me sentais très très mal dans mon corps à un moment donné, c'était il y a quelques années, hein, il y a 2-3 ans quand j'étais un peu plus forte. C'est un grand mot, mais je faisais 70 kg pour 1m70 et je me sentais vraiment pas bien. J'étais pas très très bien dans ma peau. Et du coup, bah, je commençais à mettre de la lingerie, à essayer de me sentir un petit peu mieux, de me regarder dans le miroir, d'essayer de poser, etc. Et au fur et à mesure, bah, je me trouvais de plus en plus jolie en lingerie et j'en mettais de plus en plus et ça me permettait d'avoir confiance en moi. Les gens comme ça qui par exemple vous montrent en photo de la lingerie, etc. Ça, si ça peut vous permettre, vous, d'essayer de la lingerie, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes, parce que j'ai déjà travaillé dans des boutiques de lingerie, hein, il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas en mettre, qui ont peur pour paraître ridicule ou autre, je sais pas, mais vous êtes pas du tout ridicule en lingerie, enfin vous êtes pas ridicule tout court, vous avez le droit de vous sentir bien, de vous sentir sexy, c'est normal, c'est... T'as envie de te sentir sexy, mais vas-y, fonce, peu importe ta morphologie, peu importe les kilos en trop, les kilos en moins. Voilà pour la petite parenthèse lingerie, mais pour moi c'est super important, donc là vous avez les soldes, donc n'hésitez pas à vous refaire une petite garde-robe de lingerie, moi c'est ce que je fais à chaque fois, je veux changer, je veux avoir de la couleur parce que je mets tout le temps du noir. On devait faire quoi aussi? Ah oui, je devais vous montrer mon haul. Alors, on va commencer par Primark. J'ai trouvé des pépites, notamment ces chaussures. Je pensais pas trouver des... Enfin, je cherchais en fait des sandales chez Deichmann, mais en fait, il n'y avait plus rien. Du coup, je suis allée chez Primark, je me suis dit, vas-y, on va tester des chaussures. Donc ça coûtait 16€. C'est des nu-pieds comme ceci. Franchement, hyper confortable. Et pour les pieds fins, c'est vachement bien parce que ça tient très très bien. Donc j'ai pris en taille 39. Je fais du taille
40 environ, et à chaque fois je prends toujours une taille en dessous chez Primark. Donc voilà, ça existe aussi en blanc, mais comme j'avais déjà des chaussures blanches, j'ai pris du bleu pour changer un petit peu. J'ai pris ensuite, ça c'était en promotion, c'était un petit diffuseur, c'était à 4€, mais je crois que c'est passé à 3€ dans mes souvenirs, avec un petit truc comme ça, je pense que c'est là-dedans qu'on met les trucs. Après on remplit avec ça, et il y a les petits bâtonnets derrière, donc c'est plutôt pas mal comme cadeau ou autre. Je me suis pris des chaussettes blanches. J'en ai pris 7, c'était à 3€. Un espèce de diffuseur à 80 centimes. Donc c'est à la vanille, ça sent super bon. Une bougie, en fait j'ai adoré sa couleur. Très 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 mignonne. Donc c'est du vert, c'est marqué rosemary. Ça sent super bon. Donc ça c'est plutôt pour la déco que j'ai pris ça. Et enfin je cherchais des hauts blancs. Pas transparent parce que c'est galère. Celui-là il me paraît pas trop transparent quoique. J'ai pris en noir. Alors vous n'allez pas avoir grand chose, j'ai pris en noir et en blanc, donc c'est vraiment des crops basiques pour mettre avec mes jupes que j'ai pris de chez Shein. Vous allez bientôt voir le haul, je pense, parce que j'ai trouvé vraiment de belles jupes et tout à Shein, un bel ensemble aussi d'ailleurs, une belle robe, donc je vous montrerai ça plus tard. Mais en tout cas voilà, j'ai pris ces deux petits articles. Ensuite à Cultura, ils ont vraiment un problème de prix, il n'y avait rien qui n'allait. Oh non mon chat, s'il te plaît, vous le voyez ou pas? Non vous le voyez pas. Là vous le voyez, il fait des bêtises. J'ai pris un carnet où il y a marqué poisson dessus, c'est mon signe astro. Il était à 5,99€, à la caisse il passait à 6,50€, tout va bien. Donc à chaque fois je leur disais bah écoutez c'est pas le bon prix. À chaque fois ils devaient changer, vérifier en rayon. Donc voilà, j'ai pris un petit carnet. J'ai pris aussi, bah ça je sais pas si je l'ai déjà acheté ou pas, mais je pense pas. Les trésors de Picsou, ils ont vachement augmenté leur... Regardez ses fesses, j'en peux plus. Et la dernière chose, c'était affiché à 12€ et c'est passé à 16,50€, donc ils ont changé encore une fois le prix, donc vérifiez bien les prix. C'est un petit planeur comme ceci. Alors je sais pas si je vais en trouver un mieux, je vais le laisser dans le cellophane au cas où si j'en trouve un mieux. Donc ça se présente comme ceci. Donc c'est un semainier en carton, donc ça j'aime beaucoup. En plus l'intérieur était vraiment trop joli. Voilà, c'est de la marque Monsieur Wonderful. J'adore tous les articles qui viennent de chez Monsieur Wonderful. J'aimerais trop faire une collab avec eux. Vraiment j'aime trop leur univers, tout. J'aime tout. Voilà, j'ai pris ça pour la rentrée ou pour moi, pour m'organiser quand j'ai des semaines assez chargées. Donc voilà pour mes petits achats. Ensuite je vous ai pas montré. Attendez, vous n'êtes pas prêts. Déjà, ma muesli m'ont renvoyé mes petits muesli. Donc n'oubliez pas, vous avez toujours mon muesli qui est disponible. Donc c'est une co-création que j'ai fait avec la marque. Je vous mets, de toute façon, le lien est en barre d'infos à chaque fois. Et vous avez mon code promo, c'est pandapi ou pandapi-6summer. Ça dépend quand est-ce que vous allez acheter le produit. Mais si vous passez commande, genre là dans les jours qui viennent avec ça, et que vous appliquez mon code promo, en fait, dès 10€ d'achat, vous avez ces muesli-là offerts. Ils sont super bons, vraiment très très bons, j'en ai goûté et vraiment très très bien. Du coup voilà, et ils m'ont envoyé d'autres petits muesli. Donc ce muesli là très 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 parisien, très joli, franchement j'aime trop. Et d'ailleurs super bon parce qu'il y a des petits flocons de maïs là, vous savez comme les trucs de Pops, la miel Pops, je sais pas quoi là. Ça a l'air super bon, vraiment celui-là j'aime trop. Il y a ensuite celui-là, ça je suis un peu moins fan, je donnerai à un ami qui adore les fruits. C'était pour la Gay Pride. Franchement trop bien, avec myrtille et fraises. Et ça c'est mon préféré. Parce qu'il y a Donald. Ils ont fait un muesli avec Donald. Enfin avec les autres aussi, mais les autres ils sont inexistants à mes yeux. Mais ils ont fait, enfin il y a Donald, donc je suis trop contente. L'intérieur a l'air super bon, on dirait mon muesli en fait. C'est exactement le même muesli que moi, sauf qu'à la place là il y a des cœurs et moi il y a des étoiles. On est encore une fois connectés, voilà. C'est exactement le même muesli. Et ensuite, je suis trop contente qu'il m'ait envoyé ça. C'est un produit que je voulais tester depuis bien longtemps. C'est une bouteille en verre avec du silicone sur le dessus pour pouvoir remplir avec de l'eau. Attendez, hop. Donc voilà, ça s'ouvre comme ça. Vous avez un petit filtre là pour mettre le thé. Donc tu peux mettre du thé glacé, etc. Donc à l'intérieur, voilà, tu peux mettre le thé ici et tu bois. Oui mon chacha, et tu peux enlever le filtre. Je suis trop contente d'avoir reçu cette bouteille, et donc avec cette bouteille là ils m'ont offert le thé. Donc c'est du thé en mini, là c'est les mini, hein, c'est pas la taille réelle. Donc là il y a du thé à la mangue, mélange de tisane menthe avec de la citronnelle et tout, des pommes. Enfin celui-là il est super bon, j'ai déjà goûté. Et le grès, comment on appelle ça? C'est le thé noir, voilà, alors le grès, citron. Donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà en tout cas pour les nouveautés de chez My Muesli. N'hésitez pas à commander, c'est vraiment une très bonne marque My Muesli, hein. C'est bio, enfin c'est vraiment très très bien. Donc n'hésitez pas, j'en ai déjà parlé. On va mettre celui-là de thé glacé.
Oh mon chacha, t'es casse-couille. Donc c'est Coco Litchi. Et c'est super bon, c'est un thé qui vient de chez Nature et Découverte. C'est vraiment extrait pour le thé glacé tout simplement. 5 cuillères à café de thé et laisser dans 1 litre d'eau pendant 5 heures ou toute la nuit. Ah ce bordel. Du coup moi je mets toujours de l'eau, de la vraie eau entre guillemets d'une bouteille quand je fais du thé parce que ça a un goût différent je trouve. Même quand on fait du riz, moi je prends ça pour... et ça, je vous jure, c'est un meilleur goût que l'eau du robinet. En même temps notre eau elle est hyper calcaire ici. Hein. Je pense que je vais remplir le truc à fond, hein. C'est pas tout simple. Voilà. Trop contente! Ah, et j'ai aussi reçu de la pâtée et des croquettes pour Prince. Et dans le lot, en fait, il y avait un petit gant comme ça, et il y a plein de poils dessus. Puis je le caresse avec ça le soir et tout, et il kiffe de ouf. Et ça enlève tellement de poils. Ça s'accroche comme si c'était électrique. Enfin, c'est hyper bizarre, et en tout cas, c'est super bien. Donc, si vous savez pas, il y a Prince qui est ambassadeur de la marque Katz, et donc il mange les croquettes et la pâtée. C'est Made in France, c'est vraiment une très bonne marque. Et du coup, je crois que vous avez toujours au moins 50% sur la période d'essai ou quelque chose comme ça. Et franchement, c'est une très bonne marque, donc n'hésitez pas à checker en barre d'infos. De toute façon, il y a toujours les codes promo et les liens. Du coup, j'avais fait un petit emplacement pour Prince. Donc voilà, j'ai mis les croquettes de Prince dans la boîte de Birdie. La nouvelle gamelle que j'avais achetée à Birdie, mais Prince, il kiffe bien. Sa gamelle d'eau, il y a marqué Prince. Et sa gamelle où je mets la pâtée tous les soirs ou tous les deux jours, ça dépend. Enfin, quand il commence à bien râler, quand il en a marre. Regardez là, j'ai une nouvelle feuille. Elle est trop chou. Et là en fait faut que je fasse le descaling là, le détartrant. Je crois que ça s'appelle comme ça. Mais je sais plus comment on le fait parce que c'était mon ex qui l'avait fait la dernière fois. C'était vraiment un bordel pas possible. En fait ça s'achète directement à Nespresso, ça se vend par l'eau de deux. Thank you for watching and well done. You are now a master in descaling. Ok c'est la merde. J'ai compris le truc. Sauf que... Faut que j'arrête pas la machine. Il y a un truc derrière là qui doit se mettre devant. Sauf que je ne l'ai pas et je ne sais pas du tout où est-ce que mon ex l'a mis. Vous voyez que ça m'énerve quand les choses ne sont pas remises à sa place. Il l'avait mis dans le tiroir des conneries à Patrick. Alors ça se met derrière, hein. Tu sais, il y a un emplacement exprès et tout, mais non, t'as vu. Bref, ça m'énerve. Allez, on se reconcentre. Du coup, il disait de mettre jusqu'à la barre d'escaling, mais j'en ai pas. Donc on va... on va mettre tout et après on va mettre de l'eau jusqu'à max. On va faire ça. Vraiment, on s'en fout, mais totalement. Je vous montre ça, mais ouais, tout le monde s'en fout. Moi, ça fait pas pareil que lui. Ah, ça marche! C'est bouillant. Oh, tout le calcaire qu'il y avait. Qu'est-ce que ça va? Ah, bah voilà. Parfait. Ça va durer longtemps, je pense. Bon, on va installer ces petits trucs là, hein. Les petits sambons. Donc ça, c'est à la vanille. Hop. Mais c'est pas possible de autant galérer à ouvrir un truc là, c'est pas possible. Oh, ça fait pas très... Vous êtes sûr que c'est pour mettre dedans? C'est bizarre que ça se mette dedans, non? Ça fait pas un petit peu con? Si, ça fait con, hein. Bah ouais, c'était fait exprès. En même temps, pourquoi ça serait vendu avec, bizarre. Voilà. Je sais pas où les mettre. J'ai fini une bougie Magic Candle, celle-là, là, à la Tropical Jungle. Donc je vais la jeter. Je vais jeter aussi l'emballage de celui-là. Parfait. Ça va être rangé. Et ça, je vais mettre dans les chiottes. Ça va s'attaquer bientôt au bureau. Pas dans cette vidéo, parce que ça va prendre trop de temps. Mais le bureau, il a bien changé. Hein. Je vous avais pas montré les changements pour vous faire un petit peu de surprise. Mais ça a quand même vraiment bien changé. Donc au niveau de la bibliothèque, je vais essayer de la refaire parce que déjà là j'ai le nouveau livre que je viens d'acheter là de Picsou. J'ai plus la place ici pour le mettre, j'ai déjà le 58 qui est là. Un autre emplacement pour pouvoir le mettre, genre par exemple peut-être ici ou je sais pas, en tout cas on verra. Peut-être aussi changer les plantes parce que là cette plante là elle a rien tenu du tout donc faut que je l'enlève. Même en bas il me manque une planche, vous voyez pas mais il me manque une planche, faut que j'achète ça à Ikea. Faudra aussi que je fasse tout ça là, tout ce bordel, il y a plein d'emplacements vides donc c'est vraiment pas très très beau. Donc on fera ça dans une prochaine vidéo, j'ai trop hâte qu'on attaque le bureau, on va faire je pense deux épisodes comme pour le balcon. Mais en tout cas j'ai pas mal de vidéos de prévues donc aujourd'hui je vais en filmer une, je sais pas si je vais avoir la foi. Et en plus il y a la cafetière qui est en train de se détartrer donc ça va prendre un peu de temps. Donc je ferai ça demain, j'avais prévu de filmer une autre vidéo,
Ah oui, j'avais prévu de filmer plein de vidéos cette semaine. Bon, là déjà c'est les vacances, comme vous le savez, c'est les vacances, enfin pas pour tout le monde, mais c'est les vacances. Du coup, au niveau de mes posts sur YouTube, ça va pas du tout être régulier. Enfin, je vais essayer de faire ça tous les dimanches déjà, ça c'est sûr. Mais je vais essayer aussi de vous faire des vidéos en plus. Peut-être, enfin je sais pas si vous avez un jour que vous voulez, un horaire qui vous arrange et tout. Par exemple peut-être le mardi ou le jeudi à 16h30 ou 18h. Enfin voilà, ça va être un peu... voilà, dès que j'ai une vidéo de prête, je vous la poste. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer surtout la cloche des notifications. Super important, comme ça au moins vous avez une notification dès que je sors une vidéo. Voilà, j'ai vraiment hâte de filmer toutes mes vidéos. J'ai tout affiché sur le mur en fait. J'ai une liste... j'en ai combien de vidéos? 1, 2, 3... Alors j'ai 12 vidéos back to school, donc c'est pas maintenant les back to school, enfin je me laisse un petit peu le temps. Quoique ça fait un mois que je suis en vacances là déjà, franchement c'est passé super vite. À partir de mi-juillet je commencerai les vidéos back to school à filmer et je vous les posterai en août comme d'habitude, je le fais toujours en août. L'année dernière j'avais fait vraiment beaucoup de vidéos back to school, beaucoup. Je pensais que ça allait un peu plus marcher, je vous avoue. Après je fais pas ça pour les vues, les likes, les machins, c'est pas... ma priorité. Moi je l'ai fait parce que j'aime faire ça, j'aime bien partager mon savoir, partager mes méthodes, etc. Mais je pensais vraiment que ça allait faire un peu plus de vues, que ça allait un peu plus intéresser les gens. Alors je sais que c'est pas... ce genre de vidéo c'est pas centré que sur ma communauté, c'est vraiment centré pour tout le monde. Donc me faire découvrir par d'autres personnes, c'est très compliqué de nos jours sur YouTube. C'est pour ça qu'on a besoin de vous, en tant qu'abonné, de mettre des commentaires, des likes. C'est ce qui permet de vraiment faire... gonfler en visibilité la vidéo. Je pensais que ça allait un petit peu plus fonctionner. D'habitude je fais toujours des vues autour de entre 8000 et 10 000 vues. Là j'étais à 4000, donc la moitié. Ouais, j'avais beaucoup travaillé pour ces vidéos, je vous avoue. 15 vidéos, une par jour, c'était vraiment beaucoup de travail. Ça m'a donné un mois de travail. Et au niveau des résultats, bah ça fait... j'ai fait que la moitié des résultats, entre guillemets. Donc là cette année je vais refaire mes petites vidéos comme d'habitude. Et si vous avez des conseils, hein, si vous avez des vidéos que vous voulez voir, si voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire ou sur Instagram si vous voulez voir des vidéos back to school. Ça va être à chaque fois updaté au niveau des vidéos. Par exemple je vais faire mon desk tour dans la vidéo back to school parce que ça a changé, encore une fois, ça a changé, la pièce a changé, donc je vais vous faire ça. Ma prise de notes sur l'iPad, ça a changé, faut que je refasse la vidéo parce que voilà, ça, y a de nouvelles méthodes que j'ai faites et des petits plus, etc. Donc voilà, et on m'a aussi demandé ma routine révision, donc ça, je vais faire ça aussi, comment je révise ma méthode. Et dans les vidéos à faire là prochainement, donc déjà je vais vous parler de ma licence, pas de la L3 gestion finance, les cours, etc. Ça je le ferai plus dans les vidéos back to school fin août, mais plus de cette année, comment ça s'est passé, une année vraiment horrible pour moi je vous avoue, vous raconte un peu comment ça s'est déroulé, etc. Donc voilà, pour partager mon point de vue. Le réaménagement du bureau, il y aura deux épisodes. J'aimerais faire aussi des morning et des night routines. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait et j'adore en faire en fait, parce que j'adore en regarder. Donc voilà, j'aime bien ça. Mes notes de partiel, il y a le monthly vlog qui arrive bientôt. Il y a un vlog que j'aimerais bien faire. Après, j'attends votre avis dans le monthly vlog. Mais on va partir en vacances avec ma soeur, donc j'aimerais bien savoir si ça vous intéresse qu'on filme ça. Deux gonzesses totalement perdues dans un pays, ça peut être drôle. Donc voilà, j'ai pas mal de petites vidéos qui arrivent. Je dois vous faire aussi une annonce qui est assez importante sur YouTube, parce que je vous l'ai faite sur Instagram mais pas sur YouTube. Voilà pour le petit programme. Bon, et bien tout est propre, enfin tout est propre à l'intérieur et ça a vachement bien fonctionné. Parce que là avant c'était tout blanc. Et là, bah, maintenant, c'est tout propre. C'est vraiment super facile d'entretien, ça. Vraiment, je regrette pas du tout mon achat. Elle est incroyable, cette machine. À chaque fois, on me demande le lien. J'essaierai de vous la retrouver, la mettre en barre d'infos. Je l'ai achetée, je crois, 200 euros. Mon père, il a acheté une nouvelle machine, donc c'est une DeLonghi aussi, mais elle fait le cappuccino et les grains, etc. Elle prend plus les capsules. Et je l'ai testé et tout, et franchement je regrette absolument pas d'avoir pris ça parce que c'est beaucoup plus simple. Le cappuccino se fait tout seul alors que dans la salle de mon père faut la faire soi-même, faut mettre le dans une tasse, remuer comme ça, etc. Avec la vapeur d'eau tu peux te brûler, enfin c'est hyper galère. Le café est meilleur parce que c'est du grain, donc c'est vraiment le goût a rien à voir. Mais au niveau pratique c'est beaucoup mieux ça, c'est beaucoup moins cher. Et les cappuccinos sont jolis. Enfin moi j'aime bien quand c'est joli, c'est pour ça que j'ai que des tasses transparentes pour voir mon cappuccino. Alors que quand je le faisais moi-même et tout, c'était pas incroyable. Du coup là je vais me faire un espèce de petit apéritif. J'ai 18h je crois, 18h passé. J'ai pris les apéritifs vrais, j'adore faire ça. Et j'ai pris des petites cerises. Donc voilà, et je vais me boire quoi? Qu'est-ce qu'on va boire? Alors le thé il est en train de se faire, donc je pourrais pas boire maintenant. Un petit coca,
Allez, on va se faire un petit coca. J'ai fait une razzia de boissons la dernière fois. Comme ça, je suis tranquille pour l'été. Donc voilà, on va se poser devant le canapé. Je suis fatiguée. Et je vais regarder sur internet, sur le site de Monsieur Wonderful, s'ils ont des petites choses assez sympathiques pour les soldes pour demain. Genre, je vais essayer de voir s'il y a des choses qui m'intéressent. Et si c'est en solde demain, bah, moi, je pourrais les prendre. Je viens de penser à un truc parce que j'étais dans le canapé et je vois les oiseaux en train de bouffer mes boules de graisse. Sauf qu'ils mangent pas les putains de graines à 12 balles que j'ai achetées à Truffaut. Donc, au bout d'un moment, j'en ai marre que la maison fasse figuration. Moi, je veux qu'ils bouffent les graines et pas les boules de graisse. Enfin, si, mais mange les graines aussi, tu vois. Du coup, je vais essayer d'accrocher la maison sur le tri. Je sais pas du tout si ça va tenir. Mais on va tester. Faut que je retrouve les crochets. Je sais plus où est-ce que je les ai foutus. Bon, j'ai mis ça comme ça. J'ai mis la maison un peu plus enfin accrochée. C'est pas très beau. Je trouve pas ça très beau. Mais en fait, j'ai envie qu'ils voient qu'il y a bien des graines à manger. Peut-être que comme ça, ils vont voir. Et après, je la replacerai à son endroit initial. Les gars, il y a une bête sur mon mur. J'ai appelé mes voisins pour qu'ils viennent l'écraser. Ils vont jamais venir. Je sais pas quoi faire parce que ça vole en plus, cette merde. Du coup, je pense que je vais prendre l'aspirateur, sachant que je l'ai vidé tout à l'heure. Et je vais laisser l'aspirateur dehors. Non, mais j'ai peur, les gars. Je suis pas bien. Ça vole et tout. À quel moment un truc comme ça vole? Moi, j'en peux plus de ça. Hein. Moi, je peux plus être toute seule, avoir des bêtes partout. Non. Ah, mais il est dehors, ce con! Depuis tout à l'heure, t'es dehors? Mais je le cherchais. Genre, depuis tout à l'heure, la porte a été fermée. Du coup, il était dehors en train de vivre sa best life. Prince, j'ai besoin de toi pour bouffer un truc. Putain de merde. En plus, il est bien haut. Je peux même pas le prendre avec un sopalin. Bon, est-ce que vous allez voir cette bête? Non, vous la voyez. Ah, il est passé où? Ah non. Je suis en PLS. Elle est où? Elle est où, les gars? Elle est où? J'aime pas ça. Sur moi. J'en ai marre. Bon, il me reste 36% de batterie. On va faire à manger. Vous êtes pas droit. Ah voilà, c'est l'heure de faire à manger. Vous avez entendu mon chat. Il commence à râler parce que son ventre fait brouah. Ah mon chat, tu me fais un câlin. Amour vache que tu es. Regardez mon chat, comme il est beau. Je sais que t'aimes pas quand je te fais des bisous. Moi je t'aime quand même parce que t'es trop mignon. Oui. Je sais que tu m'aimes. Qui va avoir de la pâté? C'est mon chat. Donc la pâté, c'est celle-ci. C'est de chez Katz. Bon, attendez, je vous explique après. Voilà, voilà. Oh, tu m'as fait un bisou, je t'aime mon chat. Il m'a fait un bisou sur la main. Donc c'est celle-là. Donc c'est pas très cher. Hein. Si vous voulez prendre par pack sur leur site, c'est vraiment pas cher du tout. Donc nous, on va faire du quinoa. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas cuisiné ça. Je sais pas du tout comment on fait. Je pense que c'est dans de l'eau. Hein. Il se cuit dans l'eau pendant une dizaine de minutes. Ok, bon, on va faire cuire de l'eau. Oh my god. Je l'ai retrouvée. Ta mère. Elle est sur mon rideau. Ah, je peux pas ça. Non, mais j'ai. Non, je peux pas l'aspirer. Non. Ça va rester coincé à faire des œufs et tout. Non, il faut. Putain, je vais pas l'écraser sur mon rideau que je viens de laver quand même. Putain, à chaque fois quand je fais à manger, il y a des trucs qui me dégoûtent comme ça. Pourquoi ça se passe toujours comme ça là? Mon putain de rideau que j'ai nettoyé. Elle a encore envie? Non, mais c'est pas possible. On va désinfecter tout ça, ça me dégoûte. Oh my god, ça me dégoûte. Putain, ce cadrage de qualité, vous avez rien suivi, mais moi j'ai tout suivi. Ça m'a dégoûté. On va nettoyer. Oh là là, oh là là. On était à là. Je disais donc. Putain, il y a des trucs, c'est n'importe quoi. Je suis essoufflée. Ah non, je voulais la garder. On la garde pour arroser les plantes. Je disais qu'il y avait beaucoup de poussière sur ma plaque de cuisson, tellement je m'en sers peu. Bon, ma technique, moi, pour chauffer de l'eau, c'est simple. La bouilloire. Et ensuite, on met ça genre dedans. Enfin, on attend que ça boue quand même, un minimum. En attendant que ça boue, demain c'est les soldes. Je pense que je vais me lever tôt pour une fois pour aller voir ce qu'il y a de beau au niveau des soldes et tout. En magasin. J'espère qu'il y aura pas mal de belles choses. Je vais essayer de me lever parce que en ce moment j'ai du mal à me lever. Je me lève vers 11h30 midi parce que je mets un réveil. Hein. Sinon, si je ne mettais pas de réveil, je pourrais dormir jusqu'à 16h. Vraiment, j'ai besoin de sommeil en ce moment. Je fais que dormir, que dormir, que dormir. Et c'est pas bon, il faut que je retrouve un rythme de sommeil. Je m'endors, il est genre 4-5h. Pas parce que je fais quelque chose, hein. Je suis dans mon lit et j'essaie de dormir, en fait, ça le truc. J'arrive pas à trouver le sommeil en ce moment, donc j'écoute de l'ASMR, machin, bidule, chouette, mais... J'ai quand même bronzé, non? Regardez la marque de la bouée. Genre j'ai pris un coup de soleil ici, donc ça s'est transformé en bronzage bien évidemment, hein, de toute façon. Nous les femmes extra blanches là, comme ma personne là, qui ne bronze jamais. En fait pour bronzer une technique, faut prendre des coups de soleil et après tu deviens bronzé.
Par contre, j'ai pas mal au niveau des coups de soleil. Ça, c'est... jamais eu mal, jamais eu chaud, jamais eu... On peut me taper dessus, tout ce... Je ressens rien du tout. J'aimerais bien faire des meal prep en soi, parce que moi, je me fais jamais à manger. Vraiment, je mange souvent des fruits, des trucs déjà préparés, enfin déjà préparés, genre du congèle quoi. Mais même me dire, ouais, j'ai préparé à manger, parfois le soir j'ai pas envie de manger ça. Du coup, c'est bref. Donc je peux pas faire des meal prep à l'avance parce qu'il y a des soirs où. Bah soit je vais chez mes voisins et qu'il y a un repas gratuit, donc bah c'est toujours meilleur quand c'est gratuit. Soit j'ai pas envie de manger, soit j'ai envie de manger un truc frais, soit... Eh, je suis vraiment casse-couille. Hein. Je vous l'accorde. Bon, je vais manger mon quinoa. Putain, ça fait vraiment pitié. Mais j'ai pas grand-chose dans le frigo, là. Il y a rien qui me donne envie en plus. Donc je vais manger ça avec une McGlass Oasis, là. Donc voilà pour ce vlog. Écoutez, j'ai fait pas mal de petites choses aujourd'hui. J'ai fait mon shooting photo qui m'a pris quand même pas mal de temps. Je suis contente d'avoir détartré la machine à café, au moins ça s'est fait, c'est une bonne chose de faite. Ah, les oiseaux sont de retour, est-ce qu'ils vont aller dans la maison? Ah, ils se demandent ce que c'est. Va dedans, petit con. J'ai mis mon zoom au maximum, il est allé sur les petits trucs là, alors qu'il y va jamais. Ah, il est parti. Mais il était sur la maison, il s'est demandé ce que c'était. Ouais, je suis contente de ma petite journée. Enfin, après je me suis levée à midi, donc j'ai optimisé en fonction du temps restreint. En gros, ça fait que 7 heures que je suis debout, quoi, donc c'est pas ouf. Demain, j'espère vraiment faire les soldes. Donc écoutez, bah voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est ElisaBRTOff. Ça me ferait super plaisir de vous avoir sur mon compte Insta, ça me permet de donner de la force et de me suivre au quotidien. Parce que c'est vrai que sur YouTube, pendant les vlogs, vous me suivez, mais sur Insta, c'est beaucoup plus intime, entre guillemets. Donc n'hésitez pas à aller me suivre, on rigole bien, on parle de sujets vraiment de tout. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, à ma chaîne YouTube, juste là, si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui se ficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo.